à l'émission, on a le privilège de recevoir l'immense, l'illustre, le légendaire, le croquable, l'inclassable, le formidable, le grand designer international, le grand Coco Caca. On y va! Tout d'abord, merci de nous recevoir dans votre demeure. J'ai horreur des germes. Excellent. Vous êtes le grand Coco Caca. Permettez que je vous appelle comme ça? Les gens m'appellent Coco Caca. Mon copain m'appelle Coco Coquette. Et puis ma mère Roger. Et vous êtes aujourd'hui une légende vivante. Quel est votre secret? L'inventivité. Conceptualiser une nouvelle forme d'art. Renifler. Personne n'oserait contredire, quand même. Il y en a tellement. On n'endort pas, hein? On n'endort pas. La créativité, c'est la clé. Et dites-moi, où prenez-vous vos inspirations? Dans le monde qui nous entoure. Un vulgaire sac de fromage peut être l'inspiration à toute une collection, vous savez. C'est très contemporain. Tout autour de nous est création! Parlez-nous un peu de vos créations. J'ai cette collection, la toute dernière, qui était faite avec des crottes de fromage. Ouais, celle-là, je l'aimais bien, avec des crottes de fromage. On y va! Je suis tellement merveilleux. Alors là, vous nous parlez d'une crotte de fromage. Et quels sont vos autres matériaux de prédilection? Ben, les pilules, naturellement. C'est tellement présent dans le monde de tous les jours, c'est très contemporain. On y va! Coucou, Katia. Coucou, Katia. Je suis tellement merveilleux. Et j'ai ouvert aussi toute une collection pour les animaux, déjà. Ah oui, ça, les animaux, c'est très rentable. Coucou, Katia. C'est très difficile. Quelle est la relation que vous avez avec vos modèles? Il faut les traiter comme des chiens. Ça coûte cher d'entretien des mannequins, hein? On leur donne un peu d'eau, je les laisse seulement tremper les doigts pour se les lécher. Il est important qu'elles aient la peau bien orange. Grâce à cette chose qu'on nomme une diététicienne qui suit mes collections depuis tout ce temps. Bonjour, je m'appelle Josée Rivard et je travaille pour le Grand Coco Caca. Je suis tellement merveilleux. En tant que diététiste, mon rôle est d'optimiser l'être humain pour le vêtement. On calcule aussi précisément les portions minimales sans atteindre le seuil critique du coma. En collaboration avec Monsieur Coco Caca, j'ai mis au point une diète qui donne une teinte légèrement orangée à la peau des modèles. C'est très réussi. On en vient pratiquement à oublier leur présence tant elles se fondent avec le vêtement. Avant les défilés, on leur administre ce clou. Ça leur donne une démarche caractéristique. Ça donne la théâtralité au défilé. C'est beau. Ma plus grande réussite professionnelle, c'est lorsque j'ai réussi à isoler le gène qui confère la peau glissante aux otaries. On gagne en rapidité lors des habillages. Ça presse les choses, hein? Parlez-nous de votre vision de la femme. La mode est un business. La femme est un business. Le monde est un business. On vous remercie immensément. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour vos projets en 2014? Ben, vous savez qu'il faut savoir être créatif. J'ai décidé de courir tout le monde animal. Ouais. Les insectes. Les insectes, je vous dis. Un petit vêtement délicat. De la soie. De la soie. Coucou, Katia.
Coco Caca.